Baïmbongo et Awapinda dans le Nord Ubangi, 16h juste à Kinshasa. Nous sommes en direct de Kinactu Télévision. Vous servir, c'est pour nous un métier de prédilection. La révision constitutionnelle, quelle est l'opportunité? On en parle dans ce débat à 10h60. Mesdames et messieurs, trois invités sur ce plateau. L'autre de l'Union Sacrée a désisté à la dernière minute. Désolé. Nous avons Jérôme Manguila, il est de l'opposition, parti Les Bacs. Je dis bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à mes co-débatteurs. Je compatis avec les familles qui ont perdu les leurs de l'autre côté de Goma, où il y a eu naufrage. J'espère qu'on aura un débat républicain ce soir. Merci. Et voilà, il y a Eustache Belanga, il est élu de PES. Je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci beaucoup. Je salue également les co-débatteurs. Je salue également les Congolais. Je compatis avec ceux qui ont perdu les leurs à Goma avec les naufrages. J'ai compati également avec la famille Mutombo Tshikembe. Et voilà, nous avons le pasteur Serge Taboko, il est de l'ECID. J'ai dit pasteur, bonsoir. Va fouiller le pays. Il y a même des vieillards de 90 ans qui tentent de jouer les jeux de véloterie pour aller chercher un peu le bien-être. Et je profite également à travers ton micro pour présenter nos sincères condoléances à toutes les familles éprouvées. Bon, ce qui est vrai, la mort, elle est naturelle, mais ce qui se passe au Congo, sincèrement, c'est vraiment compliqué. Donc nous vivons, madame, dans un pays, comme je venais de dire tantôt, mais ici on n'a même pas un bateau qui peut permettre, c'est-à-dire construit dans des conditions un peu requises, c'est-à-dire dans des conditions normales, pour permettre aux compatriotes de se déplacer. Si vous traversez ici à Brazzaville, il y a quand même, malgré que c'est un pays aussi qui traverse un moment difficile, mais il y a quand même des bateaux, si vous voyez déjà. Mais allez, c'est moi ici à Maluku, à Maluku dans nos différents ports ici, vous allez voir comment nos compatriotes qui quittent la partie de l'autre côté de l'équateur, qui s'engagnent, comment ils viennent ici. Les autres entassent des pirogues pour voyager. Et lorsqu'il y a des vagues, et les gens sont morts chaque jour. Et ça c'est devenu un mode de vie. On ne comprend rien. Malheureusement, en face, il y a un groupe de gens qui se prétendent nous diriger. Et c'est pourquoi, lorsque vous nous invitez, nous avons toujours des énergies pour venir essayer un peu de continuer cette lutte, ce combat noble, parce que nous sommes sacrifié sincèrement, madame, au manque de mots, au manque de nos travail pour des générations futures, parce que les pays vraiment traversent des moments très, très, très difficiles. J'ai sali les co-débatteurs. J'ose croire que l'émission sera à la hauteur pour essayer d'édifier ceux qui vont nous suivre à travers ton émission. Merci. Et voilà, je commence avec Eustache Belanga, du lieu de PES. J'aimerais un peu que nous abordons ce sujet. Nous avons ne fût-ce que frôlé par rapport à ce naufrage. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'éviter ce genre de naufrage, ce genre de catastrophe naturelle? Y a-t-il pas moyen? Non, je crois qu'il y a les moyens, parce que le président de la République avait à l'époque offert au gouverneur de la province des gilets, mais malheureusement, jusqu'à là, mon frère congolais n'arrive pas à acheter même des gilets qui se vendent à 8 dollars. Ça fait vraiment pitié. J'ai même la honte de parler de ça à la télévision. Je ne peux pas accepter voir nos compatriotes congolais périr tel qu'on a perdu hier dans le plus de 100 personnes comme ça. Ça ne m'honore pas. C'est que moi, je peux demander au ministre des Transports de veiller à ce que tous ces gens-là qui font les histoires des convois, bateaux, baleinières et tout,
qu'ils achètent aussi des survêtages pour leurs clients, parce que ça ne coûte rien. Le 8 dollars pour acheter des gilets, ça ne coûte rien. Et si vous allez voir de la manière dont ces gens... Quel est le rôle du ministère des Transports, le suivi, l'applicabilité des strictes mesures? C'est au gouvernement de le faire. Oui, c'est au gouvernement, raison pour laquelle, je l'ai dit, le ministre des Transports peut assurer, n'est-ce pas, à collaborer avec ces gens-là qui sont en son secteur, n'est-ce pas, pour acheter des gilets. Ça serait plus mieux. On ne peut pas accepter de perdre des Congolais comme ça. On a perdu des Congolais, ce n'est pas une bonne chose pour nous. Ça serait vraiment catastrophe, très catastrophe. J'ai compati avec ces Congolais. Jean, vous avez la parole par rapport à ce naufrage. Vous savez, madame, nos frères de l'UDPS n'ont pas encore compris pourquoi ils sont au pouvoir aujourd'hui. Ce naufrage justifie encore pour une fois l'incompétence. Ça justifie encore pour une fois l'absence de l'autorité de l'État. Vous savez, madame, un pays ne doit pas être dirigé comme la jeune. Ce ne sont pas les autorités qui ont provoqué le naufrage. Soyons réalistes. Attendez. Il faut faire attention avec certaines notions. Parce que dans ce genre de choses, dans chaque port, il y a des services de l'État. Ils doivent veiller aux strictes mesures qui ont été imposées. Vous ne pouvez pas embarquer au-delà, dans un bateau qui peut recevoir 100 personnes, vous embarquez au-delà des 100. Qu'est-ce que vous occasionnez? Et les conséquences, ça sera quoi? Ça sera la mort. Il y a des services de l'État. Mon frère parle ici de Congolais qui n'arrivent pas à acheter des gilets à 8 dollars. Mais mon frère, si vous voulez que je vous rafraîchisse un peu la mémoire, vous avez parlé de 8 dollars ici. Vous avez trouvé les dollars ici à combien? Vous l'avez trouvé à combien? Les taux d'échange, c'était à combien? Aujourd'hui, nous sommes à 28 000 francs, à 2 800 pour 1 dollar, 3 000 francs. Vous demandez aux Congolais d'acheter les gilets avec 8 dollars. Où est-ce qu'ils auront ces 8 dollars? Combien d'emplois vous avez créé? Les emplois qui donneront aux Congolais les moyens pour s'acheter des gilets. Est-ce que vous savez dans quelles conditions ces gens-là sont en train de vivre? Donc arrêtez d'avancer. Mais le Congolais doit aussi apprendre à se protéger si l'État peut-être ne fait rien. Attendez. Vous savez, c'est pas pour rien. La vie est sacrée. C'est pas pour rien qu'il existe des États. C'est pas pour rien qu'il existe des lois. C'est pas pour rien qu'il y a des mesures. C'est pour protéger les peuples congolais. C'est pour protéger les vies humaines. Vous ne pouvez pas. L'État est là. Il y a les services de l'ANER, il y a les services de la police. L'ANER qui massacre aujourd'hui les opposants. Il y a les services de la police. Il y a toutes sortes de services. Il y a les services de transport au port là. Comment vous pouvez laisser un bateau embarquer plus qu'ils ne peuvent le faire? Voilà maintenant les conséquences. Les surcharges aussi. Surcharge. Voilà, c'est ça exactement. Les surcharges, c'est ce qui a occasionné la mort. Si vous creusez, vous allez voir que c'est des surcharges qui a occasionné la mort. Donc il faut éviter, l'État doit veiller aux strictes mesures qui sont mises en place pour que pareille désolation n'arrive plus. Et voilà, parce que ça beaucoup, réagissez au moins par rapport, ne plus que 3 minutes, par rapport à cette question de l'ouvrage. Est-ce que le Congolais aussi a le sens de responsabilité de se protéger? Madame, sincèrement, je ne serais pas d'accord avec vous. D'abord, quand l'ami de l'UDPS parlait avec beaucoup de légèreté, j'aurais voulu le conseiller peut-être de se taire pour ces débats, soit de garder son silence. C'est vraiment trop risqué de débiter tout ce qu'il venait de dire ici. Nous sommes dans un pays où des compatriotes, il peut y avoir peut-être un 500 francs. Pour moi, c'est laisser le pays au monde les gens. S'il trouve quelque chose à manger, il fait la prière. Il glorifie Dieu. Vous comprenez? Allez maintenant, prenez votre caméra, descendez même au boulevard. Vous allez voir, il y a des compatriotes qui font des pieds parce qu'il n'y a pas les transports. Et même s'il y a quelques compatriotes qui disposent de ce qu'on appelle des esprits de mort, là, des décès, mais à cette heure ici, si boulevard, on va vous parler de 4 000, de 5 000 pour arriver même à Pomaté. Donc c'est un peu compliqué. Donc rien ne marche. Peut-être lui, s'il a la facilité d'attraper 1 000 francs, 10 000 francs, ne pensez pas que tout le monde a la possibilité. Je crois l'ami, bien sûr, il a bien sûr dit, il a rappelé ici, nous ne sommes pas dans une jungle, nous sommes dans une société, la société est organisée, il y a ce qu'on appelle les taxes et les impôts, ce n'est pas votre argent, vous ne gérez pas une boutique privée, c'est-à-dire il y a nos minéraux que vous gérez, vous vendez ça, aujourd'hui vous êtes devenu comme vous êtes là, et je vis même dans un passé récent, Kabouya qui s'est tapé la poitrine pour dire qu'il a bien, il a un bilan élogé avant d'arriver aux affaires, ils étaient tous sous piétons, ça c'est les propos de Kabouya, mais aujourd'hui il manque même un parking. Il n'a pas signé le pacte avec la pauvreté. Oui, il n'a pas. Il manque les parkings pour poser leurs véhicules. Vous comprenez, c'est vraiment c'est ridicule.
d'attendre notre compatriote d'éviter des choses. Alors, madame, il faut faire aussi la différence entre une catastrophe naturelle, c'est un événement soudain, et avec ce que nous avons vu là-bas, et ce sont des bateaux de type, je peux dire, des bateaux de fortune. C'est quelque chose comme ça qu'on a fait avec... ça dit, même dans des pays, je ne peux pas parler de l'Europe, même dans des pays sous-développés ici, par exemple, à Brazzaville, si vous allez, vous allez voir des bateaux. C'est-à-dire, on a fabriqué ça dans des conditions pour recevoir des hommes, des humains. C'est-à-dire, il y a même des lits, ainsi de suite. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous arrivez là-bas, à l'époque, peut-être beaucoup parmi nous ici n'étaient pas là. Nous avons eu la chance, mais je crois, dans les années 90, on a vécu ça, je crois, c'était vers là. Après 90, c'était déjà fini. À l'Onatra, ici, il y avait ce qu'on appelle des ITB, des bateaux. Donc, si vous voyagez, vous avez votre chambre, il y avait même des frigos, il y avait tout. Peut-être mon ami de Bati, à l'époque, elle était encore trop petite, donc il y avait des bars. Ça dit, les gens voyageaient comme vous êtes dans votre maison. Vous comprenez? Ça, c'est un bateau. Mais l'histoire que les gens arrangent, comme je vois à Maluku ici, tout ça avec, on appelle ça des baleiniers, des radeaux, on met des trucs ensemble. Même s'il pleut comme ça, donc c'est comme des animaux. Et on met tout le monde ensemble. Même des coquets, des moutons, des histoires, tout le monde est là. Et quand l'ami rappelle même des services, c'est réellement, il y a des services. C'est les gens qui sont là-bas. Si on vous donne aujourd'hui au Congo, si on vous donne une parcelle de pouvoir, c'est pour aller chercher, non, tu pêches sur ma place, donc on t'aime. Hein. C'est-à-dire, quand ils arrivent là-bas, c'est juste pour rançonner. Il ne faut même pas l'être, leur boulot, de savoir que le tonnage, le nombre de gens qui sont là. Non, c'est business. Prenez seulement votre caméra, allez seulement des ports ici. Vous allez voir comment on est en train de torturer nos frères, tous ceux qui viennent de l'Équateur. On vous demande, vous avez amené un sac de maïs. Les sacs, il faut payer si c'est manutention, payer si c'est DGRK, payer si c'est DGRA. Il y a des services qui vous arrivent là, si c'est 800 services. Et on vous ravit l'argent comme ça. Quelqu'un qui va son sac, peut-être 160 000, mais il se retrouve avec 100 000. Les 60 000, c'est entre les mains des gens. Ils partagent ça comme ça. Merci. Donc, c'est déplorable. Bon, on vous demande de déposer, vous ne voulez pas. Ils sont en train de réfléchir même comment ils vont changer, si c'est changer la caution pour rester. Je sais pas. Ça, c'est vraiment une sorcellerie. Merci beaucoup. Je passe la parole. Nous allons parler maintenant sur la révision de la Constitution. Quelle est l'opportunité de revoir la Constitution? Est-ce qu'il y a aussi des couacs parmi les articles et au sein de la Constitution que nous devons revoir? Prochaine marque, je commence avec Eustache Belanga. Pourquoi revoir la Constitution? Merci madame, je vais un peu réagir aux deux co-débatteurs. Vous avez 7 minutes. Ici, je vais dire, je suis en face des opposants au plateau. J'ai bien souligné à mon introduction l'autre de l'Union sacrée désister. Oui, à la ils sont les opposants, je vais assumer. Donc, ne m'entraînez pas rigueur. Je suis en face des deux opposants. Allez-y. Qui ne maîtrisent pas, ici, qu'on ne parle pas de la, du parti politique IDPS. Ici, on parle de la République. Et lorsqu'il s'agit des morts, je vais vous rappeler ici, je parle au nom de la République. Je ne suis pas venu ici représenter l'IDPS. Je ne suis pas le porte-parole de l'IDPS. Et je n'engage pas l'IDPS ici au plateau. Ça, vous devez savoir comme tel. Mais vous êtes de l'IDPS, non? Non, je suis de l'IDPS. Oui. Mais je n'engage les débats ici sur votre plateau, n'engage pas les partis politiques IDPS. L'IDPS est au pouvoir, c'est vous qui gérez. Je l'assume. Il y a des gens qui nous suivent, il y a le Cyprien, il y a beaucoup. Il y a des Congolais qui nous suivent. Et ça, on ne peut pas parler de l'IDPS. L'IDPS, je peux parler de ça à mon parti, soit au siège du parti, pas au plateau de la télévision comme ça. Concernant la question que vous m'avez posée, je vais répondre aux deux co-débatteurs. Ici, la question des naufrages, il y a déjà un chef, n'est-ce pas, des postes qui est déjà suspendu à Minova, et la responsabilité n'engage pas l'IDPS. Parce que les bateaux n'appartiennent pas au parti politique IDPS. Nous devons être responsables face à nos propos. Il y a des Congolais qui ont péri leur vie et nous ne pouvons pas venir ici pour diminuer la vie humaine à un parti politique IDPS. Concernant la question que vous m'avez posée, madame, de la révision constitutionnelle, je crois que ça ne serait pas une bonne réponse que moi je vais donner ici, mais la réponse est déjà donnée à la Constitution elle-même, parce que cette Constitution prévoyait déjà sa révision. Elle prévoyait déjà sa révision. D'ailleurs, d'entrée de jeu, nous connaissons très bien la Constitution de la République démocratique du Congo, la Constitution de 2006, telle que modifiée en 2011. Avant que nous puissions d'abord avoir cette Constitution, il y a eu au préalable l'ancien président de la République,
Laurent Moussé Kabila, qui était, je crois, à, je sais bien que c'était, il était à l'étranger, c'est lui qui aurait fait ces accords. Et ces accords, c'est pour distribuer la partie est de la République avec ses belligérants. Et à cet accord, nous avons l'accord de l'Émirat. Peut-être que les deux opposants ici vont nier, soit peut-être ils vont être informés, soit enseignés ici sur votre plateau. Et cet accord, à son article 7, prévoyait, n'est-ce pas, comment les musées, Laurent Désiré Kabila, à l'époque, avait vendu la partie est de la République. Et je vais démontrer, noir sur blanc, comment cet article 7 de l'accord de l'Émirat a été introduit, n'est-ce pas, à la Constitution, que nos opposants vont peut-être refuser ici, à son article 7, parce que à son article 51 de la Constitution, tel que modifié en 2011, cet article 51, si vous avez la Constitution, soit à la maison, vous allez comprendre que non. Cette constitution, à son article 51, prévoit déjà, n'est-ce pas, la communauté qui doit être sauvegardée par l'État congolais. Il y a une communauté minoritaire, mais ici je l'ai dit, en République démocratique du Congo, on n'a pas une communauté minoritaire. Pourquoi ? Nous n'avons pas une communauté minoritaire, tout simplement parce que à l'article 7 de l'accord de l'Émirat prévoyait comment liquider la partie est de la République au Rwanda, à Burundi et consorts. Mais avec les accords que Laurent Moussé Désiré Kabila aurait pris avec ses conglomérats d'aventuriers, Museveni et terroriste en chef Paul Kagame, cet accord prévoyait la manière dont Kabila avait pris le pouvoir, n'est-ce pas? Il avait chassé le président Mobutu, et en chassant le président Mobutu, vous avez vu comment nous sommes arrivés à avoir la constitution actuelle de 2006. Laissez-moi pas vous relancer. Malheureusement, l'électricité de la RDC a bousillé encore une fois notre moniteur. Sinon, j'allais balancer les images que Félix Tshisekedi, ancien opposant, s'y opposait farouchement contre la révision de la Constitution. Mais ça, pourquoi ce changement brusque au pouvoir? Qu'est-ce qui est caché en dessous? Non, écoutez. Allez-y. Madame, la Constitution de 2006 est membre de la Constitution des belligérants. Pourquoi je qualifie ça ainsi? Nous allons se dire ici. Pour avoir la constitution de 2006, c'est une constitution à laquelle il y a eu quelques Congolais qui se sont retrouvés ailleurs en complicité, n'est-ce pas, avec les étrangers. Et quelques Congolais là, s'ils étaient à 20 Congolais dans l'ensemble, dans leur aventure de la création de cette constitution, vous verrez que non, il y avait même pas la moitié des Congolais à son sein. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont partagé les pouvoirs pour nous donner cette fameuse constitution, et en 2011, vous verrez bien, lorsque la constitution a été modifiée en 2011, à son article 220, avant qu'il soit modifié, cet article prévoyait les élections présidentielles à deux tours. Mais aujourd'hui, on n'en a plus. Depuis qu'on a changé cette constitution, on n'en a plus. Et vous verrez bien, à l'article 218 de la Constitution, cet article prévoit la manière dont nous pouvons procéder à la révision de la Constitution. Et c'est bien énuméré, vous verrez très bien, c'est par l'initiative du président de la République qu'on peut réviser la Constitution, par l'initiative du gouvernement réuni en conseil des ministres, par l'initiative du Parlement et consorts. Si vous avez la Constitution, lisez, vous allez voir. Et si nous revenons encore à l'article 5 de la Constitution, l'article 5 de la Constitution donne les pouvoirs au peuple. C'est-à-dire, si le président de la République apporte les projets quant à la modification ou à la révision de la Constitution, vous verrez que non, ça ne serait pas directement.
Nous allons passer à l'article 5 pour demander au peuple congolais d'aller passer, n'est-ce pas, au référendum. C'est ça. C'est tout ce qui est prévu à cette constitution. Mais à mon avis, je ne vois pas les pourquoi réviser cette constitution. Mais tout simplement, je dirais, il nous faudrait changer la constitution et l'adapter à la vie actuelle des Congolais. Pas réviser, mais changer la constitution. Je suis d'avis de changer la constitution et non réviser la constitution. Vous avez nuancé. Parce que il y a déjà la procédure quant à la révision de la constitution. La constitution elle-même prévoit comment réviser la constitution. C'est la respecter elle-même. Voilà. À mon avis, ne révisons pas la constitution, mais changeons la constitution pour l'adapter à la vie des... Ça ne sera pas le changement, comme on dit, le mot m'échappe. Ça serait juste une constitution qui sera taillée par mesure. Non, ça ne serait pas taillée par mesure. Ça ne serait pas taillée par mesure. Pourquoi? Il y aura autour de nous les vrais Congolais. Les opposants seront là. Ceux du pouvoir seront là. La société civile également. S'il y aura aussi des étudiants, vous les journalistes, vous serez là aussi. Et là, il faudrait changer la constitution. Mais quant à la révision constitutionnelle, c'est là où pourrait peut-être avoir un peu de lacune, parce qu'on ne pourrait pas changer tous les articles de la constitution. Mais s'il faudrait énumérer, je donnerai déjà, vous verrez, l'article 51 de la constitution qui prévoit une communauté, n'est-ce pas, minoritaire. Ça n'existe pas au Congo. Et cette communauté-là s'appelle... N'est-ce pas les Banyamulenge? Non. Il n'y a pas une communauté qui s'appelle Banyamulenge restreinte au Congo, ils sont manipulés. Non. Ce sont des étrangers. Cette constitution, à son article 51, réserve, n'est-ce pas, la partie est, telle qu'à l'accord de l'Émirat, à son article 7. Donc, je crois, je suis d'avis qu'on ne révise pas la constitution, mais on change tout simplement la constitution de la République démocratique du Congo pour l'adapter à la vie congolaise. Ça serait d'avis. Et voilà, je passe la parole à Jérôme Manguila. Jérôme Manguila, changer la constitution, comme dit Eustache, ou réviser la constitution. Ça me fait un peu rire. Je vais toiletter techniquement ce qu'il venait de dire tout à l'heure. Mon frère a dit, voyez que l'IDPS, dans son ADN, c'est un parti de désordre. Vous voyez, il est en train de nier son propre parti. Hein. Il dit, non, moi je viens ici, je n'engage pas. Mais c'est un membre de l'UDPS. Comment tu viens ici, tu engages ton parti. Monsieur, assumez-vous. Quand vous venez ici, vous engagez votre parti. Parlez au nom de l'UDPS, vous êtes au pouvoir. Assumez-vous. C'est ça, un homme. Un homme doit s'assumer. Vous avez parlé ici que le bateau n'est pas de l'UDPS. Mais qui est au pouvoir aujourd'hui? Nous avons vu à l'époque de Kabila. Même si il y a eu bagarre dans une certaine famille, on disait que c'est Joseph Kabila qui était le responsable. Aujourd'hui, c'est votre tour. Vous avez acquisé Joseph Kabila de tout dans ces pays. Aujourd'hui, c'est votre tour. Assumez-vous. Assumez-vous. Et là, on parle de la modification ou du changement de la constitution. Appelez les chats par son nom. Ici, l'UDPS est en train de lancer des ballons d'essai pour le changement de la constitution. Il ne s'agit même pas de la révision de la constitution. Il s'agit du changement de la constitution. Est-ce qu'en ce moment, on devrait avoir les débats sur le changement de la constitution? On devrait avoir en quel moment? Aujourd'hui, les Congolais ont faim. Les Congolais n'ont plus de routes. Il y a des problèmes à l'est du pays. Il y a des problèmes ici au Kwilu avec le phénomène Mobondo. Les banditismes urbains. Il y a tellement de problèmes sur lesquels le pouvoir devrait se pencher. Au lieu de parler du changement de la constitution. Ce n'est pas le moment. L'objectif primordial du changement de la constitution de ces gens, c'est augmenter le mandat du président de la République. Pourquoi l'opposition est toujours sous le procès d'intention? Mais madame, à l'endroit du pouvoir, si la constitution posait... C'est la même chose que l'UDPS a fait avec le rassemblement, le procès d'intention, souvent. Si la constitution posait... Je vous rappelle que c'est grâce à cette constitution que M. Tshilombo est aujourd'hui au pouvoir. S'il n'y avait pas cette constitution, on aurait opposé quoi à Joseph Kabila pour quitter le pouvoir? S'il n'y avait pas cette constitution. C'est grâce à cette constitution qu'il se retrouve aujourd'hui au pouvoir. Mais aujourd'hui, ils veulent changer la constitution. Pourquoi pendant le premier mandat, il n'y a pas eu de débat de changement de constitution? Pourquoi c'est aujourd'hui que ça vient? Est-ce que la constitution aujourd'hui vous empêche de faire les champs et nourrir les Congolais? Est-ce que la constitution aujourd'hui vous empêche de nous arranger les routes? Allez-y ici sur l'avenue Tombalbaye, l'avenue Colonel Ebé. Allez-y voir.
Il y a des lacs partout ici à la capitale. L'intérieur du pays, n'en parlons pas. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, nous allons parler sur la gestion de la ville de Kinshasa. En tout cas, ça ne va pas. C'est la catastrophe. Ça ne va pas. Madame, les gens de l'ITPS ne sont pas encore. Ils ne sont mais pas conscients. Daniel c'est Duba, là qu'est-ce qu'il fait jusque-là dans le Yébaté, hein. Ils sont aujourd'hui au pouvoir. D'ailleurs, les Congolais se posent même des questions. Vous savez, un jour, quand je venais, c'était à l'émission passée, quand je venais ici, il y a un montant qui m'a pris, il me dit, j'ai maudit les jours que moi je suis allé voter pour M. Félix Tshisekedi en 2018 et j'ai maudit les jours que j'ai voté pour M. en 2023. Vous voyez à quel niveau le Congolais est arrivé. C'est très grave. C'est très grave. Vous savez, dans ces pays, nous avons eu le maréchal, et nous avons eu le président Joseph Kasavubu. On retiendra de lui l'orthodoxie dans la gestion, une certaine discipline dans les finances de l'État. Après lui venait le maréchal Mobutu. Avec lui, on a vu la cohésion nationale, en tout cas l'intégrité territoriale, la sécurité. On a vu ça avec le président Mobutu. Après lui venait le président Joseph, le président Laurent Désiré Kabila, qui nous a délivré de la sauce du MPR. Avec lui, quand même, il y a eu la cantine populaire, il y a eu une certaine droiture, il commençait à améliorer les choses. Les Congolais mangeaient quand même bien à l'époque. Après lui venait son fils Joseph. Joseph qui a unifié et pacifié le pays. Il a trouvé des groupes armés dont certains seigneurs de guerre sont avec eux aujourd'hui à l'Union Sacrée. Il a pacifié le pays. Il nous a donné la constitution que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons Félix Tshisekedi à la tête de la RDC. Que retiendrons-nous de ces messieurs? Rien du tout. Tout ce qu'il a, il a bousillé tout ce qu'il a trouvé. Aujourd'hui, il parle du changement de la constitution. Mais c'est Félix Tshisekedi. Dans ces pays, les gens sont morts à cause de cette constitution pour que Joseph Kabila parte. Je vous ai dit ici la fois passée que le combat de ces gens, c'était le départ de Joseph Kabila. Ils ont fait un combat sans contenu. Ils appellent ça opposition de 37 ans. Mais quelle opposition? Quelle opposition? Les gens, ils ont fait tuer les gens ici pour rien. Mais regardez vous, aujourd'hui. Vous aujourd'hui, votre lutte, c'est de faire partie de Tshisekedi, non? Notre lutte aujourd'hui, c'est de bonnet blanc, Non. Notre lutte, ce n'est pas de faire partie de Tshisekedi. Notre lutte, c'est d'améliorer le vécu quotidien du peuple congolais. C'est ça notre lutte. Vous voyez même la différence entre notre opposition et l'opposition de l'indépendance. Aujourd'hui, ils viennent sur le plateau de télé pour nier son parti. C'est très grave. Lui-même, là, il comprend que c'est grave. Il comprend que c'est grave, ils n'ont même plus le courage de venir défendre l'île. Mais c'est moi, je vais vous dire une chose. Nous sommes en train de grandir. Vous avez de la famille, vous avez des amis. Quand ils vous voient à la télé, vous présentez comme membre de l'IDPS, moi, je crois que ça dérange un peu. Vous voyez, ça, vous devrez avoir honte de passer désormais sur les plateaux sérieux de télé pour défendre votre parti politique, l'IDPS. Le débat aujourd'hui devrait être le vécu quotidien du peuple congolais. Penchons-nous sur cet aspect des choses. Éviter les débats sur les changements de la constitution. Parce que d'ailleurs, on ne va pas autoriser ça. Pourquoi ça vous choque autant? Ça n'arrivera pas. Mais l'objectif, je vous ai dit ici, l'objectif, qui gênent, l'objectif ici, monsieur nous a parlé. Sur la souveraineté de l'État, du sol congolais. Qu'est-ce qui gêne? Sur le cumul. Qu'est-ce qui gêne sur la souveraineté? La question du cumul. Madame. De fonction des postes, la constitution dans la main, pas en parler. Il y a des choses à arranger au sein de la constitution. Madame, est-ce qu'aujourd'hui, on parle même plus des 145 territoires? Nous avons une partie du pays imputée qui se retrouve aujourd'hui entre les mains de rebelles. Et pendant ce temps, le président de la République est en Hongrie, il est aux États-Unis, il est en France, il fait 10-15 jours à l'étranger, il n'est pas au pays. Pendant ce temps, on a des problèmes sérieux à résoudre dans ce pays. Le pays se retrouve, une partie de l'Est se retrouve entre les mains de rebelles. Est-ce que c'est la constitution qui fait qu'on ne puisse pas se battre pour récupérer cette partie du pays? Est-ce que c'est la constitution? Est-ce que c'est la constitution qui a fait que mais c'est Chilombo trouve les dollars à 16 et aujourd'hui nous amène à 28. À 28. Est-ce que c'est les constitutions qui a fait que le prix des transports augmente à souhait? Vous vous réveillez le matin, vous payez un bus à 500 francs. À 1000 francs, 1500. À midi, vous payez à 2000 francs. Le soir, vous payez à 7000 francs. Mais nous vivons dans quel pays? Et aujourd'hui, sérieusement, ces gens viennent nous dire ici qu'il faut changer la constitution. En quoi la constitution est un problème? En quoi la constitution freine le développement de la RDC? Il a parlé de l'article 51 de la constitution. Et moi, attendez, lisons l'article 51 de la constitution. L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et des minorités. Il veille à leur épanouissement. Dites-moi, en quoi cet article dérange pour qu'on change la constitution?
Où est-ce qu'on parle ici de Banyamulenge? Si de Banyamulenge, mais ces gens, ils oublient très vite. Hein? Ils n'ont pas une très bonne mémoire. N'est-ce pas ici dans ces pays, Félix Tshisekedi nous a dit que de Banyamulenge était nos frères. N'est-ce pas lui? N'est-ce pas dans ces pays, Félix Tshisekedi nous a dit qu'il ne faut pas se battre pour des morceaux de terre. Nous sommes déjà dans l'EAC et c'est l'EAC qui sera notre communauté. Donc on ne peut plus se battre pour des morceaux de terre. Il s'est rêvé aujourd'hui de son profond sommeil. Vous savez, quand vous dormez trop, hein, les rêves sont trop souvent brutaux. Alors évitez ce débat de changement de la constitution. Amenez-nous au vrai débat. Éradiquez-nous ces phénomènes de banditisme urbain. Arrangez-nous les routes. Reliez les provinces. Vous avez beaucoup de... Il vous reste encore 4 ans. Ici, chez nos frères du Burkina Faso, ils ont acheté des tracteurs, ils sont en train de faire les champs là-bas pour nourrir le peuple burkinabé. Et ça a pris combien de temps? Pour nous acheter des tracteurs. On nous chante ici chaque jour que le pays a 80 000 hectares de terres arabes. 80 millions d'hectares de terres arabes pour cultiver ces champs. Est-ce qu'il nous faut changer la constitution? Pourquoi la constitution n'a pas freiné le multiple voyage très inutile du président de la République? Pourquoi la constitution n'a pas empêché les vols à outrance de notre argent, de l'argent des Congolais dans les caisses d'État? Ça se perd chaque jour ici. Est-ce que la constitution a empêché que M. Nicolas Razadi soit arrêté? L'argent se perd dans ces pays chaque jour. Aujourd'hui en RDC, avec M. Chilombo, quand on parle de 1 million, c'est rien. Vous savez que non, c'est rien, c'est quelque chose à minimiser. Chuter. Il faut aller... Non, il a pris beaucoup de temps. Non, il a fait 7 minutes. D'accord. Vous pensez qu'aujourd'hui la constitution est en train réellement de bloquer M. Chilombo? Ce qui bloque aujourd'hui le pouvoir de Félix Tshisekedi, madame, c'est l'incompétence. Merci. Ils sont très incompétents. Ils doivent regarder le vrai souci du peuple congolais. S'ils rencontrent le vrai souci du peuple congolais, ils n'auront pas ce débat. Ils vont même oublier qu'il y a la constitution. Merci beaucoup. Parce que le peuple congolais a besoin de manger. Le peuple congolais a besoin de se retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, conscients qu'ils sont, qu'ils n'ont rien fait. Non, monsieur vient à la télé, il dit qu'il n'est pas de l'IDPS. Ce qu'il dit n'engage pas de l'IDPS. Il n'engage pas de l'IDPS. Mais ça engage qui? Parce que c'est vous qui êtes au pouvoir. Et voilà, nous sommes en direct sur YouTube, mesdames et messieurs, sur Facebook. Je passe la parole, pasteur Serge Taboko. Pasteur Serge Taboko, qu'est-ce qui vous choque sur le changement ou la révision de la Constitution? Pourquoi l'opposition a-t-elle peur? Sincèrement, l'émission d'aujourd'hui, je suis triste. J'ai envie même à un moment donné soit de rire ou de pleurer. Bon, il y a un peu les sentiments qui se... C'est un trachoc, je ne comprends même pas qu'est-ce que je pouvais dire ici. Mais j'ai dit, c'est mon ami de l'IDPS, si vous n'avez pas de choses à dire, restez à la maison. Ce qui est vrai, l'IDPS, c'est comme les autres le disent, hein, c'est sincèrement c'est une malédiction pour nous. Parce que comme il est là, si vous le demandez, même la carte des membres de l'IDPS, je ne pense même pas que s'il a la carte. Et c'est pourquoi il a des difficultés de défendre son parti. Mais je le rappelle aussi, je dis ceci, dans la gestion moderne, surtout en démocratie, il ne faut pas avoir peur de votre parti politique. Les partis politiques, ce sont des structures qui sont mises en place dans la gestion moderne en démocratie pour la conquête du pouvoir. Et lorsque vous êtes dans un parti politique, vous avez ce qu'on appelle une vision. Et la vision, on la vend lorsque vous êtes encore en dehors du système, c'est-à-dire en dehors des affaires. Et pendant les élections, vous vendez votre vision. Et si la vision est acceptée par la majorité de la population, c'est-à-dire on vous donne ce qu'on appelle la légitimité, le pouvoir, pour les cas de notre pays, c'est l'article 5 de la Constitution. Et vous avez maintenant cette vision, vous la transformez à ce qu'on appelle vision programme. Et la vision programme est toujours, on a toujours ce qu'on appelle les objectifs. Des cours de les objectifs en court terme, moyen terme et à long terme. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu ne peux pas venir dire que ce que moi je parle ici ne s'engage pas l'IDPS. Vous venez faire quoi? Vous comprenez? Donc, moi, j'engage mon parti politique, je viens parler pour mon parti politique. C'est pourquoi, dans les propos introductifs, de la dame journaliste, vous a présenté comme. Et membre cadre de l'IDPS, c'est-à-dire vous représentez votre parti politique et chaque jour quand vous passez dans des coins des rues, on vous dit que l'IDPS est au pouvoir, l'IDPS est au pouvoir. Donc assumez-vous. Mais beaucoup de, je peux dire, j'ai un peu beaucoup de respect pour le co-débatteur, mais néanmoins ce sont des incongruités, des choses qui parlent ici. Moi je peux pas aller comme les autres les qualifient, des débats, des sous les bois, tout ça. Mais venez dans un plateau sérieux, dire que
Moussa est allé signer des accords, les accords qu'ils appellent les accords de Emera, si c'est l'Emera, à l'extérieur du pays. Ce sont ces accords-là qui nous lient. C'est un intellectuel, il ne peut pas débiter des choses comme ça. Nous sommes dans une république. Pour engager un État, il faut avoir ce qu'on appelle la légalité et la légitimité. C'est-à-dire, à l'époque, prenons dans l'hypothèse que c'est vrai, à cette époque-là, Laurent Désiré Kabila n'était pas président de la République. Quand vous êtes là, vous n'êtes pas président de la République, vous allez dans n'importe quel pays, vous signez des engagements. Ces engagements, ces accords-là ne peuvent pas lier notre pays. Donc, les accords ou les engagements qui peuvent lier un État, c'est lorsque vous avez la légitimité, soit la légalité. Vous comprenez un peu? Donc, un ministre peut signer des accords, peut représenter votre pays. Mais celui qui n'a pas la légitimité, qui ne gère pas une institution, ne peut pas aller signer des accords. Et aujourd'hui, je crois, le co-débatteur, l'ami de la BAD, lui a rappelé ici, mais je crois, ça ne dure même pas de 2 ans. Je crois que c'était à Londres, si ma mémoire ne me trahit pas, où Félix a dit devant les amis de l'IDPS, c'était à Lingala, je crois. Il a été même eu par ses propres. Vous comprenez, je crois, si vous essayez de regarder les réseaux sociaux. Alors, comment votre président, que vous soutenez, il dit que les Nyamulenge sont des Congolais? Toi, ici, tu viens dans ce plateau, tu dis que ce sont des étrangers. Vous contredisez même Félix. Là, peut-être que tu peux avoir raison, tu n'es pas de l'île de Pesse. Vous comprenez? Bon, un autre élément, il dit que c'est dans l'article 220 qu'on a modifié la constitution. Dans l'article 220, on a modifié, au lieu d'avoir 2 tours, nous sommes maintenant revenus dans on a maintenant 1 seul tour. Je ne sais pas si c'était dans l'article 220, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire concrètement. Mais moi, j'aime aussi son courage, parce qu'il a dit tout haut ce que Kabuya était incapable de le dire. Il a dit ça un peu dans des termes là un peu ambigus. En réalité, Kabuya souffrait, je sais pas, il sait pas faire la différence entre la constitution et la loi électorale. Parce que tout ce que Kabuya parlait dans son speech, là, ça c'était. C'était lié à la loi électorale. Le timing des 90 jours, si c'est l'article 96, certes, l'article 78 donne le pouvoir à un chef de l'État, pour le cas de notre pays, de nommer une personnalité qu'on appelle informateur pour identifier ce qu'on appelle la majorité. Vous comprenez? Mais le timing, toutes les acrobaties liées au processus de contentieux des candidats, ça n'a rien à voir avec la Constitution. Vous comprenez? Ça, c'est la loi électorale. Alors, l'ami est courageux, il dit oui, il faut changer la Constitution. Ça, c'est son courage. Et qu'est-ce qu'il veut? Maintenant, non, madame. La Constitution, c'est la loi mère, c'est la loi des lois. Dans d'autres pays civilisés, sérieux, dans des grandes démocraties, par exemple, comme l'Allemagne ailleurs, c'est le vouloir vivre ensemble. C'est-à-dire, on prend les us et coutumes de chaque société ou de chaque tribu ethnie, on met ça ensemble et on définit ça, on met ça ensemble dans un document qu'on appelle Constitution. Tu peux pas te réveiller un matin, tu habilles si c'est dit thé ou quoi, tu dis je change ça. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Bah, maintenant, la motivation. Moi, j'attendais la motivation. Il dit, parce qu'il y a l'article 51. Alors, c'est pourquoi, avec beaucoup de respect, je ne peux pas entrer dans ces qualifier d'autres, utiliser d'autres concepts ici, sinon je suis sincèrement mal à l'aise. Est-ce dans cette disposition-là, l'article 51, puisque moi, je voulais lire, l'ami a déjà lu ça. Est-ce qu'il y a une disposition, un paragraphe-là, qu'on parle de Nyamurengi? Il dit que c'était des étrangers. Il oublie même qu'Assane, si c'est quel IDP s'était représenté. Si l'IDPS a claqué la porte, c'est au moment de la formation du gouvernement. Oui. Lorsque l'IDPS a été mis de côté, remplacé par Zaïd Ngoma, c'est à ce moment-là que papa a dit que Elokwana, Toboy Yango, Toboy Rev, bon contacté. Mais toutes les assises, l'IDPS était représenté. C'est lorsque Kabila et Bemba s'organisent d'aller au Congo central pour signer les accords qu'on appelle, on a appelé les accords de cascade. C'est à ce moment-là parce qu'on a cherché comment dribler Papa Tshisekedi. Mais il était dans toutes les négociations. Qui nous a... Il parle encore des étrangers. Est-ce que l'IDPS peut nous parler d'étrangers, madame? Permettez-moi. Je crois que vous venez. Non, je vous en prie, madame. L'ami a beaucoup parlé. Permettez-moi même 2 minutes. Vous, est-ce qu'il oublie que c'est grâce à l'IDPS que la fidèle est venue ici et la fidèle est entrée au Congo comme les rois? Madame, essayez de visualiser des images. Vous voyez les jeunes là.
qui tenait des rameaux comme l'entrée de Jésus à Jérusalem. Je vous dis aujourd'hui, je regarde la caméra, c'est l'imitateur de l'UDPS. Ah bon? À l'époque, je fus mineur, je me souviens. Maman Bazaïba vient de passer dans une émission, je crois, si Top Congo l'appelle, si c'est le parcours. Elle vient encore de nous révéler. C'est que quand la fidèle venait, la majorité des gens qu'on a nommés dans les différentes provinces, surtout dans la partie orientale, c'était des militaires de l'IDPS, elle a appelé, c'était des fédéraux. Notamment Chadar, il fit l'un des fédéraux de l'IDPS. C'est Maman Bazaïba qui nous rappelle. Et pour aider les Congolais qui nous suivent, l'IDPS à l'époque s'est organisé dans ce qu'on appelait l'opposition, l'union de l'opposition. L'IDPS, c'est ce qu'a dit l'opposition de cette époque, parce que c'est lui qui chapeautait le Papa Tshisekedi. Ils ont envoyé une délégation. Les jours Moussin s'autoproclamait président de la République, l'IDPS avait envoyé une délégation, à l'occurrence, messieurs, il est encore vivant, celui qui met ses cheveux-là, Olengankoy. C'est l'IDPS. L'IDPS, ça, si je viens de rappeler ici, lorsque l'IDPS s'est rendu compte qu'il était en difficulté, on a voulu le mettre de côté, Bemba et Kabila sont allés au Congo central, l'IDPS va aller voir Kagame, va se jeter sur le mémé de Kagame. C'est comme ça, notre Né Mouba qui vous a rappelé ici, que j'ai fait 2 ans au Rwanda. Kagame lui a donné même un jeune qui le sécurisait, qui s'appelait Patrick Karek. Il a fait 2 ans nourri, mangé, logé par Kagame. Merci. Pour ramener Bemba et Kabila sur la table de négociation. Donc, il ne faut pas venir ici parler des étrangers parce que vous êtes mal placés. Vous comprenez? Donc, dans tout ce qu'il a dit, il n'y a rien de concret. Il n'y a aucune disposition qui heurte ou qui bloque nos amis, comme l'ami a si bien dit ici, de développer le Congo. Les jeunes là qui ont pris les armes, qui ont fait le coup d'État là-bas, au Burkina Faso. Vous n'avez pas vu les images? C'est des états de maïs, les états des arachides. Et on est tenté de cultiver là-bas. Donc vous soutenez le coup d'État. Mais lui d'abord il a fait. Non, moi j'ai dit il a fait le coup d'État. Ça dit il n'a pas été élu démocratiquement. Mais il fait des choses. Merci. Plus que ceux qui se prétendent entre guillemets être élu. Élu. Merci beaucoup. Parce que vous oubliez que Nanga vous a dit que hier, c'était Nanga qui a dit que c'est X qui a gagné. Aujourd'hui il dit, il demande pardon. Non, c'était un arrangement, c'était pas élection. Merci. Donc c'est un peu, moi j'attendais des éléments, un débat intelligible, des éléments clés qui bloquent notre compatriote. Mais ici il parle de Nyamurenge, il parle encore de Mera, mais l'accord de Mera dans quelle disposition qu'on a, on a repris ici le problème de. Merci beaucoup. Vous avez 3 minutes pour rebondir. Merci beaucoup madame. Je crois les Congolais qui nous suivent ont suivi les 2 opposants. Vous leur posez des questions de savoir si la révision constitutionnelle ou les changements de la constitution, mais les 2 opposants répondent. Je commence par l'ami qui est juste à côté de moi. Je vous réponds, monsieur Jérôme vous répond, la construction des routes. Heureusement, vous l'avez recadré ici pour dire que non, nous parlerons de la ville de Kinshasa prochainement. Et quand je vais en face, il y a un autre opposant, qui s'est dit. Il est résistant. Il résiste à qui? Il n'y a personne qui a gagné les élections ici. Vous l'avez posé la question sur la révision constitutionnelle, mais lui vous parle des choses à qui. Il ne sait même pas évoquer les articles de la Constitution. Non, madame, moi je m'attendais à un débat républicain. Malheureusement, je me trouve devant les 2 pamphlétaires opposants. Ils sont pas. Vous êtes les porteurs de l'idée. Mettez à la place publique les idées pour qu'on puisse en débattre. C'était juste de vous relancer, je vous en prie. C'était juste de vous relancer. Vous êtes allé. Ici. Vous êtes essoufflé. Ici. Non. Allez-y. Ils sont essoufflés alors. Oh. Ici, ils vous disent que non, je représente l'IDPS. J'ai dit, je persiste et je confirme que je ne représente pas l'IDPS ici. Je n'ai pas le mandat ici. Que je dois parler. Tu es venu parler à ton propre nom. Je ne suis pas comme vous autres. Vous dites que non, vous êtes le membre du parti X et Y. Avez-vous les mandats ici que vous pouvez brandir aux Congolais qui nous suivent? Il n'y en a pas. Il ne faut pas venir parler des choses pour être. Nous sommes engagés pour faire ce travail. Non, ce n'est pas ça. Brandissez-nous les mandats si vous en avez. Vous avez peur ou quoi? Non, mais lui est en train de m'attaquer ici pour me dire que non, je suis de l'IDPS. Merci, mais. Je suis de l'IDPS. Ici, je n'engage pas l'IDPS. Qu'est-ce qui nous rassure que vous êtes de l'IDPS? Qu'est-ce qui nous rassure que vous êtes de l'IDPS? Allez-y, vous restez dans le plateau. Allez-y, vous avez reçu sur votre plateau des pamphlétaires. Vous venez ici pour faire des baisses.
On a évoqué la question sur votre thématique, parlons de la Constitution. Donnez les éléments. Je vous ai donné les articles ici. Quant à moi, les dispositions constitutionnelles... Je peux lire encore? Non, ce n'est pas votre droit. C'est moi, c'est pas la parole, c'est pas vous. Mm-hmm. Je vous ai donné les dispositions constitutionnelles qu'il faut modifier, soit qu'il faut changer. À mon avis, il faut changer la Constitution. Mais vous me parlez des X, Y, non, nous ne sommes pas là. Madame, prochainement, s'il faudrait me recevoir, je serai là. Mais il faut élever les débats. Ici, Le débat est là. Il n'a pas d'argument. Ici, je parle de la République. Nous voulons parler de la Constitution. Mm. Les gens m'amènent avec les histoires de la carte de l'UDPS. Je ne peux pas parler de l'UDPS ici. Si vous voulez qu'on parle de l'UDPS, attendons après les... Ça, c'est déjà dépassé. Restons dans les débats de du changement de la Constitution. Merci beaucoup. Vous êtes mal à l'aise. Vous avez expiré vos cartes. Ici, je parle de la Constitution. Merci. Quels sont les articles qui fâchent? Merci, là. Qui vous bloque. Rebondissez. Vous avez 3 minutes pour rebondir. Il a fait 4 minutes. Laissez-moi il est seul sur le plateau, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Il est seul. Madame, vous allez comprendre avec moi ici. Un peu de que, faveur pour. Les gens qui sont en train de nous suivre, les téléspectateurs, comprennent que notre ami de l'IDPS est totalement essoufflé. Et il vient avec un débat qu'il ne sait même pas défendre. Moi, je suis trop sûr que les quelques articles qu'il a cités, on lui a mis ça dans la bouche. Comment il est allé, sur les bois, on lui a dit. Quand vous partez là-bas, c'était 51, c'était 280 de la Constitution, tout ça. 220. Ah oui, 218, permettez-moi. Madame, ici, on pose la question. Quels sont les articles de la Constitution qui fâchent? Quels sont les articles que vous voulez réviser? On n'a pas changé de débat. On n'a pas changé de débat. Essayez de bien nous suivre. Nous avons dit ceci. Il n'est pas question de changer la Constitution. Il n'est pas question, oublions ça, il n'est pas question de changer la Constitution. Attaquez-vous au vrai problème de la population. Monsieur, nous avons le droit de défendre cette Constitution. Nous sommes Congolais, n'oubliez pas. On va vous faire échec. Ça, vous n'irez nulle part. Vous voulez renverser l'ordre constitutionnel, on va vous faire échec. Vous assumez d'abord que vous êtes membre de l'UDPS et vous engagez l'UDPS. Vous-même, vous avez compris que votre parti est un parti de désordre. Vous voulez nous amener vos désordres là de l'UDPS pour gérer avec la République. Et je suis même sûr que si l'UDPS était régenté par une constitution, il nous aurait dit que ce qui bloque l'UDPS, c'est la constitution. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on vous a donné le pays, vous n'arrivez à rien faire. Même les partis seulement. Vous n'arrivez pas à gérer. Il y a des secrétaires généraux. Voilà. Le débat, ce n'est pas le changement de la constitution. Le débat, c'est rencontrer les attentes de la population. La population meurt de faim, monsieur. Chaque jour, si les Congolais meurent, les grands débats que nous avons aujourd'hui, nous n'avons plus 145 territoires. Ça ne vous fait pas mal de penser à ça? Donc vous en foutez que les Congos ne soient plus dans sa totalité. Joseph Kabila vous a légué 145 territoires. Qu'est-ce que vous, aujourd'hui, vous allez léguer à votre prédécesseur? Qu'est-ce que vous allez lui léguer? Parce que le pays n'est plus dans sa totalité. Les rebelles sont juste ici, ils sont au pays, ils ne sont pas au Rwanda. Ils sont en RDC, ils ont occupé une partie du pays ici. Mais qu'est-ce que vous faites pour aller nous mettre ces gens dehors? Vous ne faites rien, vous êtes là, vous venez sur un plateau de télé pour nous dire que les co-débatteurs ont dit ceci, ils ont dit cela. Orientez votre débat, allez-y à l'IDPS, dites à M. Kabuya qu'il doit dire à son président de la République de travailler pour les comptes du peuple congolais. Il n'est pas là pour voyager. Le président Moussa fait combien de voyages? Quand Moussa est arrivé dans ce pays, il a fait combien de voyages? Mais les Congolais ont mangé. Ils nous disaient que mon aîné, là, il peut vous le dire. Les gens mangeaient. Mais plus même de 3 fois par jour. Mais avec vous aujourd'hui, les Congolais n'arrivent même pas à manger. Et je suis même sûr que tel que vous êtes venu là, vous n'avez pas mangé. Merci. Donc, essayez de recadrer les débats. Essayez de rencontrer les attentes de la population. Vous verrez que les choses iront un peu mieux. Quand je parle des routes, quand je parle de tout ce que je suis en train de parler, quand je parle de la partie est du pays, ce sont les vrais problèmes qui touchent directement le peuple congolais. Donc, essayez de nous rencontrer dans ces débats-là, évitez-nous cette histoire de changement de la Constitution, parce qu'on vous a mis les articles dans la bouche, vous ne savez même pas défendre quels sont les articles qui fâchent dans la Constitution que vous voulez Merci modifier. Beaucoup. Votre souci majeur, c'est de prolonger le mandat d'un incompétent. Ça ne passe pas.
Ça ne passe pas. Devenez journaliste invité. Merci beaucoup. Ça ne passe pas. Non, non. Merci. Mais vous ici, vous niez votre appartenance politique. Vous avez 3 minutes. Vous niez votre appartenance politique. Merci beaucoup. C'est maintenant mon temps. Je vais, je crois, pour aider notre co-débatteur, notre ami de l'IDPS qui n'a pas la matière, je crois, je vais lire les deux derniers paragraphes. Par rapport à son article, là, l'article, elle, je l'énumère en détail. Qu'est-ce que le législateur a voulu dire? Le avant-dernier paragraphe, on dit, le législateur a dit, l'État, il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Les groupes vulnérables notamment, ouais, les albinos. Vous voyez par exemple les hommes, les gens handicapés, c'est-à-dire nos compatriotes qui les handicapés physiques et ainsi de suite. Ils sont vulnérables. Vous comprenez? Il y a d'autres coins, il arrive comme ça, démarrer même le boulot, on ne l'accepte pas parce qu'il a peut-être, il n'a pas la couleur, il a peut-être, il n'a pas de pieds, il n'a pas la jambe, tout ça, c'est ce qu'on appelle les groupes vulnérables. Le dernier paragraphe parle, il veille également à l'épanouissement. Donc, les minorités, vous voyez par exemple à l'Équateur, et ces groupes-là se trouvent, je crois, en Afrique et même au Cameroun, au Rwanda, même dans beaucoup de pays en Afrique, particulièrement chez nous, par exemple, à l'Équateur, vous avez ce qu'on appelle les Pikimé. Ils sont aussi minorisés, ils sont aussi rejetés dans la société. Et toi, là, comme tu es là, si ta fille vient ici te présenter un copain, il dit non, papa, je viens avec mon copain, il est Pikimé, il vient de l'Équateur. Je pense pas, peut-être, tu vas supporter, tu vas les rejeter. Vous comprenez? Alors, l'État veille pour sécuriser l'épanouissement dans tous les domaines, scolarité, ça dit bref, dans tout ce qui est public, il faut créer des conditions pour l'encadrement et l'épanouissement. Voilà l'idée du législateur. Ici, on n'a même pas énuméré dans un paragraphe, ici, on ne parle pas de Nyamouring ici. C'est pour... en dehors de ça, Félix nous a rappelé. Moi, je tiens, comme je suis, j'aime toujours Félix. Je respecte les propos de Félix. Félix nous a dit que les Nyamouring sont de mes frères, sont nos frères. Moi, je continue à croire que les Nyamouring sont nos frères. Si toi, tu es contre Félix, tu penses que les Nyamouring ne sont pas nos frères, ça, sincèrement, moi, je vais faire une lettre ouverte à Félix Tshisekedi de te rejeter, de te chasser même de l'IDPS parce que tu n'as pas respecté les propos de notre, surtout de votre président, malgré qu'aujourd'hui, constitutionnellement, il est empêché. Il ne gère pas au quotidien les partis. Donc, voilà. L'ami n'a pas d'argument. Tout ce que tu as dit ici, on a balayé ça, on a repensé. Et un autre élément, madame, puis c'est ici nous devions maintenant par rapport à votre thématique. Tu as parlé de la révision. Ce qui est vrai, depuis son site, l'IDPS aussi était comme parti politique, était présente. Les législateurs avaient voulu ceci. Là, vous revenez. Je vous en prie, il ne faut pas déranger. Ça, c'est l'article. Ça, c'est l'article. Ça, c'est l'article 218. Le législateur a prévu des mécanismes pour réviser la Constitution. Parce que c'est malade. Mais ce qui est important, contrairement à leur parti, puis c'est pour le cas de mon parti politique, il est cité, nous avons une vision. C'est-à-dire, un parti politique sérieux qui aspire un jour de gérer le pays doit avoir une vision, surtout dans le cas des réformes. Et moi, nous avons une vision, nous avons des articles qu'on pensait, par exemple, surtout liés à la nationalité. Il y a des articles que nous avons dans notre manifeste qui s'engagent ici. Nous avons prévu ça pour peut-être un jour émettre ça à la place. Maintenant, pour eux, ils n'ont aucune disposition qui bloque. Ils veulent changer la situation. Et les problèmes, les soucis de Kabouya, tout ce que Kabouya parlait là, le problème, c'est qu'ils veulent changer la Constitution, qu'on commence maintenant cette fois-ci à élire les chefs de l'État, c'est-à-dire quoi? En second degré. C'est-à-dire à travers. Comme ça se passe par exemple en Angola, en Afrique du Sud, en Assemblée nationale, et comme ils ont toujours la tendance de tricher, ils vont tricher ou avoir des députés après, et augmenter aussi le nombre, le nombre demandé, la durée, de quitter les 7 ans, de 5 à 7 ans. Donc ça va pas passer, on va vous bloquer comme Félix. Si j'ai des vidéos, si tu vas m'envoyer votre numéro, je vais t'envoyer plus de 15 vidéos où Félix a dit ça ne passera pas. Une minute pour clôturer l'émission. Mot de la fin. Merci beaucoup, madame. Mot de la fin, je saluerai les Congolais qui nous suivent et les deux co-débatteurs qui n'ont pas su, n'est-ce pas, ramener les débats républicains parce que vous nous avez dicté vos thématiques et viennent avec leurs thématiques. Et moi, je n'ai jamais voulu partager les plateaux pareils avec des gens qui changent de thématiques parce que moi, je suis respectueux.
Je respecte votre thématique que vous m'avez envoyée, mais ici je suis bité, n'est-ce pas, à voir les deux pamphlétaires faire. Pas parler du Congo Sud. Soyez calme. Vous agitez pourquoi au plateau? Je suis vraiment désolé de me rencontrer avec les deux co-débatteurs très agités au plateau. Je vous remercie. Merci d'être venu. J'espère que ce ne sera pas la première fois. Non, je suis là. Je suis là. Si vous m'invitez, je viendrai avec un débat républicain. Merci. Moi, je ne parle pas des partis politiques dans les plateaux de télévision. Et voilà. Manguila, le mot de la fin. En tout cas, merci. Merci à vous d'abord pour l'invitation. Les Congolais ont compris. Les gens ont compris que notre ami de l'IDPS n'a pas d'argument. Il essaye de justifier ce qu'on lui a mis dans la bouche, mais il n'arrive pas. En tout cas, c'est très déplorable. Les Congolais savent aujourd'hui que le débat, ce n'est pas le changement de la Constitution. Le débat, c'est l'assiette des Congolais. Le débat, c'est la sécurité des Congolais. Le débat aujourd'hui, c'est que les Congolais sortent en paix et qu'ils rentrent en paix à la maison. Le débat aujourd'hui, c'est le travail. Le débat aujourd'hui, c'est la paix dans tous les pays. En tout cas, prochainement, vous avez vu, hier, c'était avec un ami de l'UDPS. Toujours comme ça. Lui, quand même, a eu le courage de dire qu'il était de l'UDPS. Mais notre ami n'arrive même pas à dire qu'il est de l'UDPS. Parce qu'il sait que, comme il n'arrive pas à se défendre, je salue Teddy Kachama. Ils auront un problème. Il aura un problème dans son parti, comme il est en train de partir. Merci là. Merci beaucoup. Mais sinon, que le peuple congolais soit en paix, qu'il nous rejoigne, en tout cas, dans les battes. On va se battre pour ce pays et chasser l'UDPS, mettre ces gens dehors avec leur incompétence. Mais pour la révision de la Constitution, ça ne passera pas. On va activer l'article 64 et ils vont partir. Merci beaucoup pour l'émission. J'ai conseillé à mon ami, comme il n'a pas assez d'arguments, de rester à la maison, d'observer, d'écouter. Puis c'est sincèrement, pour moi, c'est une émission ratée. Moi, je pensais, surtout qu'on est en face de l'ami du pouvoir. Et ce sont eux qui ont mené les débats. Nous sommes focus, nous sommes en train de réfléchir comment on va sécuriser les Congolais. Lorsque nous discutons avec vous ici, voilà comment il dérange. Parce qu'il n'est pas ici, il est ailleurs, il est dans les téléphones. Lorsque nous discutons avec vous ici, 3-4 de nos territoires sont occupés par des étrangers. Il y a Rutshuru, Masisi, Rubero, Nyiragongo. Donc notre compatriote est incapable avec ce gouvernement, et même Kabuya, d'aller là-bas. Donc il y a des Rwandais, des Ougandais qui gèrent, qui tortillent. Même si tu es là-bas, les Congolais n'ont pas... là où aller, c'est plein. Donc, à cette période, c'était vraiment un moment crucial qu'on devrait parler le même langage, même dans des pays civilisés, là où il y a des choses où on avait organisé de bonnes élections. Lorsque les pays étaient agressés, attaqués, on se met ensemble, on parle le même langage pour stopper l'ennemi. Mais ici, les Congolais, les pays étaient en train de partir, ils réfléchissent comment ils vont changer la Constitution. Ça, c'est une malédiction. Merci. Ils vont changer le changement de la Constitution. Nous allons vous bloquer. Comme je vous dis ici, donne-moi le numéro, je vais t'envoyer, je crois, une dizaine de vidéos que Félix avait dit à l'époque. Nous sommes prêts. Kabila va marcher sur nos cadavres. Donc, nous vous présentons et nous sommes aussi prêts. Parce que ces pays-ci, on ne va pas continuer à vous laisser. Vous avez eu la chance de participer dans ce qu'on a appelé les hold-up électoraux et les simulacres de 2018 et les simulacres de 2023. Vous êtes là pour piller le pays, pour détruire le pays. Et on en a marre. Merci de participer à ce débat. Je vous en prie. Il est décidé. Merci à Eustache Belanga de l'UDPS. Il a nié son parti. Merci à Jérôme Anguila, parti Le Bat. C'est moi qui vous remercie, madame. Et voilà, merci à Desanges, merci à Enoch Mbala. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Nous nous retrouvons le lundi à la même heure. Retrouvez cette émission en rediffusion à 23h30. Au revoir, Inch'Allah.